le détroit de Messine, dans l'Antiquité. Les marins de l'époque craignaient deux dangers dans cette zone géographique, un tourbillon et un écueil. Ayant besoin de s'expliquer ces deux dangers, le premier a pris la forme d'un monstre qui aspirait d'énormes navires grâce à ses tourbillons avant de les recracher, qu'ils nommèrent Charybde. Le second était un monstre à plusieurs têtes, intitulé Scylla. Ceux désireux d'éviter le premier finissaient souvent sur le second. C'est de là que provient l'expression notamment utilisée par Jean de La Fontaine dans « La vieille et les deux servantes », tombée de Charybde en Scylla, pour dire qu'on a évité un danger pour se frotter à un autre.